Ça faisait un petit moment que je n'étais pas venue, j'avais eu d'autres occupations, mais je n'oublie pas de revenir faire des lectures symboliques parce que j'adore faire ça et je ne peux pas m'en passer. Alors évidemment, je le rappelle, ce sont des tirages qui sont courts parce que je mets le focus sur ce qui a besoin d'être regardé, ce qui est prégnant chez vous, qui est le point d'attention sur lequel vous devez rester vigilant peut-être, en tout cas, savoir comment naviguer avec ça. C'est une lecture intuitive, ça vous donne un axe et on y va. 5 d'épée. Alors, 5 d'épée, il y a des tensions, il y a des choses que vous avez envie de défendre, peut-être des valeurs, c'est important pour vous, mais attention de ne pas vous mettre à dos votre environnement, vos amis, votre famille, votre conjoint, vos collègues, votre responsable hiérarchique. Je pourrais en citer beaucoup comme ça. Ce qui est important, c'est de savoir que vous prenez une décision, vous décidez de défendre une idée, une valeur, une position, mais il va falloir assumer ce que ça peut entraîner. Rassurez-vous, des fois les choses sont passagères, ça dépend si vous êtes dans un état d'esprit, vous êtes capable d'assumer que ces petits impacts, effets de bord, eh bien, sont acceptables, vous saurez le traverser sans problème. Par contre, si vous êtes un peu fragile, c'est peut-être le moment d'attendre et de, en tout cas, de sécuriser ça pour veiller à ne pas faire plus de mal que de bien dans cette position que vous prenez. Oui. Oui, il y a quelque chose qui vous pousse, hein. C'est quelque chose qui est important. Cavalier, cavalière de coupe, vous défendez quelque chose, vous êtes prêt à tous les combats, tel le preux chevalier qui veut aller au-devant du danger pour aller délivrer sa belle. Vous défendez quelque chose qui est profondément important pour vous, une valeur, une idée, encore une fois. Voilà, vous avez besoin de déclarer quelque chose. Vous avez besoin peut-être de vous affirmer, de déclarer. C'est quelque chose qui est porté par le cœur en vous, hein. C'est une belle intention. Mais des fois, nos belles intentions, nos belles impulsions, je dirais, provoquent certaines choses. On va aller vérifier ce qui se passe derrière. Oui, assurément, vous êtes le fervent défenseur de quelque chose, une idée, une façon de faire. Vous ne lâcherez pas parce que vous y croyez, parce que c'est au-delà de la raison, c'est le cœur qui vous porte. Mais ce que vous désirez mettre en place, ce que vous voulez manifester, pour vous est essentiel. L'as d'épée, c'est aussi l'as de la vérité. Vous défendez une vérité. Vous défendez quelque chose. Vous y allez. Alors évidemment, Sagittaire, c'est un peu votre credo, hein. Je tire avant de viser, hein, presque. Donc, c'est tout à fait dans votre tempérament, c'est tout à fait dans votre énergie. Veillez simplement à trouver le bon équilibre pour ne pas faire trop de dégâts ou ne pas trop vous mettre des personnes à dos ou trop vous couper de quelque chose. C'est un équilibre. C'est voilà une belle manière pour vous de dire très bien, je continue, mais je vais faire attention à ça. Hein. Ce sont des petits éléments qui vous aident et on va regarder la carte conseil justement. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Les pensées. Évidemment. Alors, je laisse mon esprit voguer en confiance. Vous avez raison, vous y croyez. Laissez votre esprit faire ce en quoi vous croyez. Hein, vous le défendez, vous êtes porté par ça. Hein, c'est littéralement porté, tiré vers ça. Voguez en confiance. De toute façon, moi je pense que c'est extrêmement positif. Il y a juste une petite attention ici. Alors, si je revisite ma lecture. Il se pourrait que jusqu'à présent, vous n'y soyez pas vraiment allé parce que vous aviez peur de blesser quelqu'un, vous aviez peur de rompre avec certaines choses, mais le cœur est plus fort et l'esprit, la volonté, la vérité qui est vôtre est plus forte. C'est d'y aller et de voguer en confiance qui vous est invité, qui s'invite ici, hein, je dirais. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. À vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être alerté quand une nouvelle vidéo arrive. Je vous remercie de votre venue sur cette vidéo, ça me fait tellement plaisir. À bientôt, amis Sagittaires.